Jessie Lightfoot, c'est la nourrice de Francis Bacon, celle qu'il appelle sa nanny. C'est un personnage très important parce que la vie de Francis Bacon, on la connaît à travers évidemment le prisme de sa peinture et aussi d'une réputation scandaleuse, sulfureuse, d'une vie débridée. Alors son homosexualité et son sadomasochisme sont très connus parce qu'ils ont été aussi mis en scène dans sa peinture. Donc il y a cette vie comme ça, cette violence affichée et esthétisée qu'on connaît chez Bacon. Et moi j'avais envie de raconter une autre histoire. La nourrice de Francis Bacon, c'est l'histoire de l'enfance du peintre en Irlande, dans le comté de Kildare, au nord de Dublin. Ça se passe dans cette campagne très belle dans laquelle son père a décidé d'acheter une propriété. Son père est un militaire en retraite. Il achète une propriété pour y élever des chevaux de course. Et ce père, extrêmement violent dans ce milieu aisé, est une sorte de tortionnaire à l'intérieur de la maison. Sa mère est très jeune, beaucoup plus jeune que son père. C'est un personnage plutôt distant. Et dans ce monde extrêmement à la fois doré et en même temps violent, Francis Bacon va avoir une personne qui va l'aimer. C'est Jessie Lightfoot, cette nanny qui est présente depuis sa naissance et qui le regarde à travers les yeux de l'amour, un regard maternel. C'est à la fois une jeune femme de Cornouailles, une petite bonne qui a été déplacée de chez elle pour atterrir en Irlande. Elle est peu instruite, mais elle est très intelligente et elle regarde les choses à travers sa petite philosophie à elle de la vie. Et cette affection, cette relation d'amour très forte entre le peintre et sa nourrice offre une sorte de contrepoint sur la violence que l'on connaît de Bacon et de son œuvre. C'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter un autre Bacon, de partir du matériau de l'enfance, de cette enfance extrêmement douloureuse, à la fois dans cette très belle lande irlandaise, ses paysages très verts, et justement cette campagne en même temps isolée, dans laquelle lui, anglais d'Irlande, puisqu'il est né d'une famille d'anglais qui se sont installés en Irlande, il représente l'ennemi. Ce sont ces maisons-là, les maisons protestantes des Anglais, qui sont ciblées par l'IRA à l'époque. Et donc, il est pris entre plusieurs violences, la violence intrafamiliale et la violence de l'époque. Il est un enfant qui naît avant les deux guerres, donc il va y avoir à la fois les guerres mondiales, mais aussi évidemment la guerre pour l'indépendance, les luttes pour l'indépendance de l'Irlande. L'un de ses grands-pères est très haut placé dans la police du comté, donc la famille Bacon, comme les protestants qui les entourent, les Anglais d'Irlande, vont être une cible aussi pour les indépendantistes. Donc il va être pris dans cette violence de l'environnement direct, et en même temps dans ce cadre magnifique, avec des ciels bas, avec une mer extrêmement sombre, avec une côte déchirée de rochers extrêmement acérés et ces paysages d'une beauté incroyable qui vont marquer ses premières peintures. Donc je voulais raconter à la fois son Irlande, l'Irlande de l'enfance et en même temps l'Irlande dans laquelle il ne retournera jamais, mais surtout cette relation d'amour avec Jessie Lightfoot qui est en réalité sa vraie mère et qui est peut-être à l'origine même de sa capacité à peindre. Je m'étais posé la question, qu'est-ce que ça donnerait en écriture d'écrire comme Bacon peint, d'une certaine manière. Je m'étais posé la question, ça serait quoi la transformation, puisque tout ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est la capacité à transformer. Et donc je me disais, ça donnerait quoi? Moi, j'avais écrit uniquement sur des auteurs, des poètes, des dramaturges. Et donc je m'étais dit, ça serait quoi la transformation narrative de cette peinture-là? Et puis finalement, j'avais envie d'une autre voix. Donc c'est vrai qu'il y a les scènes de Jessie Lightfoot qui racontent, elle, la vie de Francis Bacon, et il y a les scènes de Bacon qui peint, et c'est on a accès uniquement à ce qu'il se dit lui devant sa toile. Donc c'est une parole assez violente, éruptive comme ça, qui est comme le jaillissement de ses traits de peinture. Donc il y a ces deux voix qui se mêlent. Moi j'aime beaucoup les personnages âgés, j'aime beaucoup un langage assez populaire, ce mélange un peu suranné lié à son époque, sa génération, son origine aussi. Hein. C'est une jeune femme qui est placée à 15 ans. Alors au moment où elle nous parle, c'est une femme âgée, mais elle est déracinée d'une certaine manière, elle est arrachée à son milieu, comme l'étaient toutes les bonnes à l'époque, les bonnes d'enfants, toute jeune. Donc elle est à la fois très peu instruite, mais très maligne, et elle développe une sorte de deuxième éducation en étant placée dans une famille extrêmement bourgeoise, avec un apprentissage des codes et une observation très fine de ces deux mondes, l'univers mondain dans lequel évolue
la mère de Francis Bacon, qui aime beaucoup organiser des fêtes, recevoir, et pour laquelle cette villa mondaine est le centre, hein, et les enfants sont vraiment à la périphérie, on les sort de temps en temps pour les montrer aux invités, mais ce n'est pas du tout le centre de sa vie. Et le monde aussi de ce qu'on appelait à l'époque les gens de maison, c'est-à-dire qu'il y a un côté Downton Abbey aussi, c'est-à-dire qu'elle, elle a la relation très forte qui l'unit à certaines jeunes bonnes qui sont plus jeunes qu'elle, qu'elle va un peu materner, ce personnel de maison avec une sorte de jeu à la fois d'alliance, de concurrence, etc. Donc il y a ces deux mondes, donc il y a une société entière dans cette maison qui se côtoie. Et puis Bacon va la faire sortir de son milieu, puisqu'il va être mis à la porte par son père, qui va découvrir son homosexualité lorsqu'il a 16-17 ans. Et elle va venir vivre avec lui, parce que Jessie Lightfoot perd la vue progressivement. Elle n'est plus vraiment apte à s'occuper des enfants, et puis les enfants sont devenus grands. Donc elle va être mise à la porte par la famille Bacon, et elle va rejoindre Francis dans son premier atelier. Il est encore très modeste, pas du tout connu. Il fabrique des meubles à l'époque. Il rentre tout juste de Paris. Il s'est installé à Londres. Et elle va dormir sur la table de la cuisine, les bras dans ses coudes. Et elle va voir passer ses amants, le conseiller sur sa vie personnelle et devenir une sorte de nounou extrêmement moderne, quoi. C'est-à-dire qu'elle va lui dire quoi boire, quoi fumer. Elle va devenir une sorte de conseiller personnel de Bacon, témoin de sa vie amoureuse sulfureuse, tout en restant elle-même une sorte de protection qu'il a avec lui jusqu'à sa mort à elle, qui est pour lui une véritable tragédie. Ce roman-là, La nourrice de Francis Bacon, c'est le troisième volet d'une sorte de triptyque ou de trilogie sur l'Irlande. Alors, ce n'est pas trois livres qui se suivent, on peut les lire tout à fait séparément, mais j'avais envie d'écrire trois livres entre la France et l'Irlande qui racontent aussi bien la France que l'Irlande sous des angles extrêmement divers. Premièrement, parce que pour moi, c'est un pays qui est rattaché aussi à l'enfance, dans lequel j'ai été envoyée très jeune, à 12 ans, pour apprendre l'anglais, et avec lequel j'ai noué des liens très forts, à la fois amicaux, quasi familiaux, et cet amour pour la langue anglaise qui vient de là, et cette littérature merveilleuse. C'est un pays où il y a effectivement une littérature extrêmement foisonnante et très riche. Donc c'est vrai que j'ai eu cette envie d'écrire un peu loin de moi, c'est-à-dire de m'intéresser à des auteurs étrangers qui, eux, en tant qu'artistes, ont agi dans une autre langue pour pouvoir aussi peut-être m'éloigner de ma propre langue et passer par l'anglais pour utiliser le français autrement. C'est vrai que c'était un souci que d'essayer de... Pour moi, j'avais un souci de faire un pas de côté et il me semblait que le fait de passer par une destination plus lointaine, par une langue étrangère, d'avoir toutes ces images qui viennent de l'anglais et de l'anglais irlandais, me permettait aussi de peut-être faire des détours par rapport à ma propre langue.